Bonjour à tous, 大家好。Aujourd'hui, on va apprendre la classique des mille caractères, selon le grand maître Zhao Mengfu, le style courant. La phase 4, 润于成岁。律吕调阳。Lu, on va faire la bouche un peu plus gros, les croisements. Un, deux, trois, et à droite. Les pressés, grand, petit, encore petit, petit, enfin un grand médical.Lu, lu, lu. Lu, ici on utilise ce rythme. Donc c'est le rythme de un père. Lu. Lu, lu, on va dire un peu, on va écrire un peu gros et petit.Un. Vraiment au milieu, regarde, fermé, ici l'autre commence et l'autre bouche, laisse espace et revenir, lu, 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 dans la test c'est le rythme de père.S'appelle Lu, et maintenant c'est plutôt utilisé comme le nom de famille. Lu, Lu, ensemble c'est un instrument ancien pour corriger les rythmes musicaux. En fait, il est fait avec les bambous, intérieur, les diamètres, c'est la même. Et puis le tube, c'est différentes grandeurs.Donc, il y a 12 tubes différentes grandeurs. Depuis le 1, on commence à compter. C'est le 1 père s'appelle Lu. Père s'appelle Lu. Le son, le 1 père son, c'est Lu. Le père son, c'est Lu. Lu, Lu.D'abord à gauche, la barre yen, donc on le point. Mais ici, le point, c'est pas que, comme on voit sur le livre, comme ça, à la gauche. En fait, ça, c'est le point. Et horizontal. Et deuxième plus court, dès que touche à feu, il touche à trois. Deux, trois. Et après, on a la bouche.Fermez la bouche ici et à droite, droite c'est le chou. On commence un peu comme un chou au vertical, mais il est un peu courbé. Et crochet. À l'intérieur, on va faire deux verticales, pardon, horizontales, un, deux.Et la bouche. Tiao, tiao, tiao. Tiao, réglé. À gauche, le yen, c'est différent entre le traditionnel et simplifié. Tiao. Yang.D'abord à gauche. Donc, dès que touche la feuille, et vers le haut, et on presse, tourner, et tourner vers le bas, on presse, revenir.
médical, pas trop long, et droite. Droite, on a le soleil en haut. Dès qu'il a touché les feuilles, il tire vers le bas. Lever le pinceau, toucher la feuille, vers le haut, tourner vers le bas et un petit peu plus long. Et un petit peu comme le crochet. Lever et faire deux. Voilà, comme ça, on fait le grand rond, voilà, comme ça. Revenir, grand rond. Et lever vers le pinceau, on va tourner ici et tourner vers la rondelle. Voilà, crochet et 1, 2, yang, 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 yang. Maintenant, plutôt, on dit c'est le soleil, mais en Chine, on toujours on a des yin et yang. C'est écrit c'est avec celui-là le mot. Traditionnel était avec simplifié, c'est différent à droite. Simplifié, c'est que le j écrit à droite. Le ancien temps, les gens utilisaient celui-là d'instrument, lulu. En fait, il s'est mis dans la terre. Et avec différentes températures, et puis il va faire différents sons. Accorder celui-là le son, il s'appelle la saison. Et on peut faire, par exemple, on peut semer, on peut récolter, etc. Les choses comme ça. Donc, c'est avec lulu, accorder. Yin et yang, lu, tiao yang, lu, tiao yang. C'est bien pour aujourd'hui. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le calligraphie.ch ou bien vous pouvez m'écrire.